Bien le bonsoir les petits potes, comment vous allez? Alors sachez avant toute chose, je me dois de vous préciser que ce live est en partenariat avec Star Select. Et tous les lives seront en partenariat avec Star Select les gars. Pour ceux qui connaissent pas, Star Select c'est quoi? C'est un site qui vous permet d'acheter des V-Bucks, un peu tous les jeux, des cartes Play, des cartes Xbox, des cartes Netflix, un peu tout les gars. Et en plus de ça, ils vont filer un petit code réduction, DOC, DOC en majuscule, vous avez le lien en description les potes, qui vous permet d'avoir des réductions sur V-Bucks. Donc voilà, au lieu d'acheter 10€ vos V-Bucks, vous pouvez les avoir à 9€ et quelques. En gros le concept, The Map, tout simplement toutes les semaines, vous allez m'envoyer vos maps parce que vous êtes des milliers tous les jours à m'envoyer des messages privés, que ce soit sur Twitter, sur Insta, sur Discord, enfin un peu partout, à m'envoyer des messages en mode doc, j'ai fait un death run, doc, j'ai un escape, doc, j'ai une map, est-ce que tu peux venir la voir et tout. Du coup, moi je me suis dit, écoute, pourquoi on ferait pas une fois par semaine une émission où vous m'envoyez vos maps et qu'on présente vos maps? Tu vois un peu le délire? Je prendrais entre 4 et 6 maps par semaine, les gars, et il y aura des putains de giveaways. Il y aura des codes de 20€ sur Star Select, plusieurs codes par dimanche, les gars, à peu près 100€ par dimanche à gagner, cadeau pour vous, pour les sponsors, pour les viewers, pour tout le monde. Ah, j'ai oublié un truc très très important, vous, les viewers, vous n'allez pas servir à rien. Vous allez voter pour les maps que vous préférez. Votre note comptera pour 50% et la note du Broval, qui est professionnel des maps, les gars, spécialiste des maps, comptera pour les autres 50%. Peut-être qu'on va découvrir des petites pépites, tu vois, qu'on pourra se resservir pour le CGS ou pour Goodnight. Parce que Goodnight.fr, les gars, c'est un site qui référence les maps. Et si jamais la note de Valouz plus la note du chat dépasse le 14 sur 20, on part sur un giveaway de 20 balles par map. Par contre, parce que la FM Pro, il y aura un grand gagnant ou qui gagnera gros. Il y aura un grand gagnant et il y aura 5 petits gagnants. Histoire de régaler un peu tout le monde. Ouais, donc aujourd'hui, c'est. Aujourd'hui, c'est free money, les gars. Là, ça va être le tableau récapitulatif des scores. Donc, vous aurez les maps de 1, 2, 3, les 6 maps présentées par la semaine, avec l'aperçu, le code de la map qui sera en haut, la tête de Valouz pour dire la note de Valouz, la note du public à côté et la moyenne de la map pour savoir quelle map a la meilleure moyenne. Et les gars, vous imaginez même pas, mais quand Dom va connaître tout ça, parce que là c'est tout nouveau pour lui, encore une fois c'est l'émission pilote, mais quand il va connaître tout et qu'il sera au 10ème épisode, l'émission ça va être trop stylé, bordel. Ça va être une émission de tarba. Franchement, si vous kiffez, ça peut être très lourd, les gars. Et c'est pour ça que je vous vois à fond là, mec, ça me fait extrêmement plaisir. Bon, ça allez, on prend quelqu'un, ça y est, on commence, parce que ça vaut qu'on traîne là. Nissis qui est là. Oh, joli skin en plus. Comment tu vas, mon petit Quentin? Ça va ou quoi? Oulo, ça va et toi? Ok, donc t'as une map à nous présenter du coup, c'est ça? Un death run, ouais. Un death run. Ouais. On y va, on perd pas de temps. Du coup, allez. Si c'est un death run, on y va. Alors déjà, on est sur un départ de death run plutôt classique. Des petits sapins qui illuminent. Ça met de bonne humeur. Hein. Ok, des petits numéros d'étape, ça j'aime bien. Pour moi, ça. Tu sais où t'es. Est-ce que ta map est finie à 100%? Alors, il est totalement fini. À la fin, il y a le GG, etc. Okay. On va dire qu'il y a un endroit où il y a plusieurs portes. Okay. Si tu le connais par cœur et que tu sais où passer, tu peux mettre 15-20 minutes à le finir totalement. C'est pas très compliqué. Là, normalement, si c'est un bon, il y a un piège. Allez, je fais la part. Ok, il y a pas de piège. On est sur quel type de difficulté à peu près? Je l'avais fait au tout début du mode créatif, donc pas très très compliqué. Pas très très compliqué. Ouais, franchement, pour toi, il est pas compliqué vu que tu as fini le god et tout. Aucun death run est compliqué pour moi. Non, mais c'est pas plus mal. Tu sais, en fait, le problème que moi j'ai avec les death run, c'est qu'ils sont tous durs en fait. Les gens abusent trop. C'est ça. Ils abusent en mode impossible death run. Et en vrai, il manque de bons death run, mais moyens. C'est ça, un death run fun en fait. Un death run qui est tout public. Ouais. Genre un mec qui a pas l'habitude, il prend plaisir à jouer. J'ai l'impression que je suis en train de faire de la cuisine. C'est ça. Il y a un bail là, frère, non? Moi ça me plaît déjà, j'aime bien ce que je vois les gars. Ça me plaît parce qu'il y a deux chemins. Parce que ça met le doute, t'es là en mode est-ce que je dois monter? Est-ce que je dois aller de l'autre côté? C'est un double tranchant après aussi hein. Ouais ouais, tu peux perdre du temps comme en gagner tu vois. Mais même ça peut frustrer. Après s'ils mènent tous les deux au même chemin, ça peut être sympa. Ah j'avoue, c'est vraiment du labyrinthe en fait. J'ai envie de prendre celui de droite. Tu vois pourquoi, je le sens bien à droite. On va pas trouver direct le premier. Tu peux lui demander s'il l'a construit il y a longtemps ou pas sa map? Tu l'as construit il y a longtemps la map ou pas? Ouais, c'était au tout début du mode créatif. C'est pour ça, il y a l'allure d'un ancien death run en fait. Pour le moment, j'aime bien, je sais pas ce que vous en pensez en chat, mais ce death run ça me rappelle mes débuts death run. C'est ça. Qui me faisait kiffer en fait, qui me faisait découvrir la joie de rager, de rusher. Ah, ce genre de bail, on connaît. Non, non, laisse-moi découvrir. Ah, il y a. Bah ouais, c'est pour ça. Ça j'aime What bien. Ça on aime ça mec, ça on ça, aime. Ça j'aime bien, c'est fourbe. Oh là 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 là. Je peux choisir? Vas-y. Au milieu. Moi j'aurais dit gauche, tu vois. Là pareil, il y a qu'un seul chemin sur les trois qui est bon. OK, bah on va voir si j'ai le bon du coup. C'est Valouz qui a choisi. T'es parti où? Milieu. De mémoire, je crois que c'est le bon. Oh là 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 là. Franchement, je te jure, j'aime bien. Ah, c'est le bon mec. Pourquoi tu sautes pas direct? Ok. Oh, attends. Oh là, ça m'a l'air. T'as envie de voir? J'avoue que j'ai envie de voir. Bah aussi. Là, je commence à être pris dedans. T'sais. Après, c'est pas l'émission. Ah, il a refait. Non, mais là, justement, c'est le bait, je pense. Je pense que c'est un bait. Ça me fait frétiller ce genre de conneries là. Ouais, c'est là.
Bah si, je pense que c'est là en vrai. Bah vas-y, bah go découvrir ça en volant. Waouh, ah non, mec, ah ouais. J'aime bien. Ok, le GG est là-bas. J'ai envie de le faire. Part du GG. Du GG, on part. Ok, t'as le code pour la partager, ta map ou pas? Et non, j'ai pas de code. Ah mince, faut vraiment que Fortnite y mette les droits à tout le monde en vrai. Et bah figure-toi. Donc là, on est sûr. Ouais. Là où il y a les avions, c'est la fin, hein, le plus grand. Si il y avait vraiment une map qui sortait du lot, il pouvait optionnellement... je pouvais donner le pseudo pour qu'il donne les. Après, ça va faire beaucoup par semaine. Oui, non, mais si il y en a vraiment une qui sort du lot. Une qui est vraiment dingue, quoi. Ouais. Ok, donc là, on est sur un peu une fin de. Ok, une fin très compliquée. Ce genre de fin, en gros, elles sont horribles à faire. Je pense qu'il est temps de lui annoncer la nouvelle, les potes. Mon petit Quentin. Je pense que son abonnement était rentable. Merci. Tu vas rentabiliser ton sponsor parce que du coup, t'as gagné, mon pote, de 8 sur 10 de la part du chat. Donc tu as conquis le chat, tu as conquis 9000 viewers présents. Et tu es sur une note de 7 sur 10 de la part de Valouz qui valide totalement ta map. Okay, mais par contre, lui, hein. Il précise juste faire attention parce qu'on n'a pas vu la suite du coup sur les chemins secondaires, les faux chemins, qui ne soient pas trop longs. Du coup, on sait pas comment ils alors, sont. Alors les faux chemins, ouais. Bah, tu tombes directement dans un piège en fait. Donc tu c'est rapide. Directement dans un piège. T'es vite dans le cul-de-sac et tu te rends compte que le chemin est. C'est parfait. C'est parfait. Voilà. Y'a rien à redire. Du coup, t'as bien gagné le code de 20€ à créditer sur un compte Star Select. Je te souhaite une très bonne fin de journée, très bon dimanche et à la prochaine. Pareil également à vous deux, allez à la prochaine. Merci mec, ciao. Ouais, je suis là. Ouais. Comment tu vas? Je vais bien et toi? Donc ça va. Du coup, c'est une petite map overboard que tu nous présentes, c'est ça? C'est ça. C'est quoi? C'est une course, c'est du fun, c'est un death run overboard, un escape overboard. C'est non, quoi, c'est une course fun. Une course overboard. C'est fun. Un circuit overboard. Un circuit overboard. Let's go. Alors, faut savoir que je suis très friand de l'overboard. Hein. C'est vraiment mon véhicule préféré sur Fortnite. Ok, on est sur le départ. Cool, tu... bah, okay, est-ce que tu peux. C'est beau. Oh, ça c'est classe. Ok. Ça, c'est clair. Donc, si tu montes, ok, tu peux. Waouh, on est sur quelque chose d'assez compliqué quand même là. Il y a une maîtrise certaine de l'overboard à avoir, j'ai envie de te dire. Ouais. Waouh, il y a des checkpoints. Par contre, je suis vraiment lâché ou. T'as pas envie de mettre un petit turbo. D'où le tour d'échauffe, histoire que tout le monde connaisse un petit peu. Ouais, je le comprends mieux. Je pense qu'on va être chaud pour un tour d'échauffe en fait. Ça va, je commence à comprendre le système. Ça, c'est ballsy, tu vois. Il n'y a pas mis de mur transparent. Si, il y en a. Il y a des murs transparents. Ouais, je pouvais pas sortir. Ok, n'oubliez pas hein, les murs transparents, les amis, pour pas que vous soyez perdus dans la map en fait. Il y a pirate, ok. L'octogone. Ah, il a fait un octogone. Des petites blagounettes sympathiques, on adore, on valide, ok, en vrai ça change là, c'est cool, j'aime bien. Comment ça se passe du coup si on meurt, ils servent à quoi exactement? Ils servent à quoi les checkpoints exactement? C'est au cas où si tu sors de la map, en gros tu réapparais, et dans ton inventaire t'as des overboards que tu peux placer sur la map, comme ça tu reviens pas. Que tu peux prendre au cas où tu sors de la map, ouais. Les sauts galères, encore. Oh là là. Y'a la technique, hein. Ça ne va plus passer très longtemps, j'ai l'impression. Pas les couilles. Il m'applaudit et tout. Ok, là, faut aller en haut, j'imagine. Non, la descente finale. Wouah, stylé. Ok, ça c'est validé, ça par contre. Ça c'est archi validé quand tu peux te faire plaisir à la fin. T'as galéré avec des sauts de merde pendant 15 ans et t'es là, et Sbing, tu fais des loopings, tu fais des vrilles, tu fais des trois six. Ça c'est satisfaisant. T'es là, Sbing, et tu atterris bien, t'as des points. Voilà, voyons voir si nous avons vraiment l'overboard dans la poche à la réapparition. Et nous avons effectivement l'overboard à la réapparition. Il a pensé à tout. Stylé. Franchement, je pense qu'on a fait le tour. Mais du coup, il devrait mettre des murs invisibles sur les côtés tout le long. Parfait, meilleur des parcours. En vrai, très bon parcours. Tu sais qu'il faut avoir 6 minimum pour passer. Ouais. Le public t'a attribué un 9,09. Ce qui est la meilleure note de la journée. Ce qui est la meilleure note de la journée. Sur 10. Ah ouais. Et j'ai la note de Valouz sous les yeux. Ouais. Les amis, c'est dur. Putain. J'avoue, je suis dur. J'avoue, mais mec, tu te fais insulter. Mais non, mais je rigole. J'ai mis un 8,5 sur 10, les amis. Ce qui est une très bonne note. Hein. Quand je dépasse les 8, c'est que c'est très très bien. La map est amusante, qu'il y a tout ce qu'il faut pour s'amuser. Franchement, elle est finie. Ouais. Quand je te dis le décor, etc., c'est si tu veux la peaufiner, la rendre encore meilleure. C'est vrai, on est sur 9 sur 10. Mais elle est très bien, elle est très agréable. C'est une map qu'on pourrait faire dans un Couton Game Show et que j'aimerais faire dans un Couton Game Show. Ouais. Je continue à parler, j'étais en train de dire ta map elle méritait sa place sur Good Night. Donc si un jour t'as un code, tu sais me contacter. Ouais, okay. Donc bah du coup, Anto, tu connais la suite, t'as gagné un petit code de 20€, ça fait plaisir. Enfin voilà, mon petit Anto, moi je te fais des bisous, je te souhaite une bonne journée, je te dis à tout à l'heure sur le chat. Ciao. Bien évidemment. Bah bonne journée, bonne fin de live. Merci, et merci pour ta map. Ciao. Bisous, à plus. Yo, ça va ou quoi? Allô. Du coup, c'est quoi ta map? C'est un death run? Oui, c'est un death run. D'accord, ok. Bah, il faut que ce soit très très bon ton death run. Ok, c'est bon, je suis bien là. Tu peux lancer quand tu veux. Déjà, il y a du décor là. Oula, Valouz est intéressé. Pour te dire, c'est une map, j'ai fait beaucoup d'épreuves différentes et il y a beaucoup de décors sur les premières étapes. Nous avons affaire à quelqu'un de créatif.
Je fais quête deux fois. C'est fait exprès. Je pense que c'est un bug de. Non, c'est fait exprès. Il a rigolé. Il se fout de ma gueule. Ah ouais. Ouais, c'est au-dessus là, 100%. C'est un descend ou un escape? Je sais pas, c'est un peu des deux. J'aime bien quand c'est un peu des deux. Valouz il dit rien là, Valouz il est attentif. J'observe là, j'attends le mur invisible peut-être, non, ah, ça va bien. Ah ça a plus l'air d'une escape game pour le moment, hein. C'est pas un death run du tout. Hein. C'est fun. Mais tant mieux. T'es sûr que c'est un death run ou c'est plus un escape? C'est un parcours escape game. Il faut savoir différencier les gars parce que c'est vrai qu'on se trompe souvent. Death run c'est les techniques avec c'est les pièges etc. Le parcours c'est une visite et tu sautes de pierre en pierre, tu vois, c'est vraiment du jump. Et l'escape game c'est il faut trouver la sortie qui est cachée en général, des passages secrets tout ça. Et puis il y a aussi le mode aventure où là c'est au fur et à mesure de l'aventure justement, tu accumules du stuff qui servira à la suite de la partie. Les trucs aventure j'aime bien. C'est rare hein, les maps aventure, hein. C'est les plus compliqués à mettre en place exactement. Ouais, c'est long et généralement tu l'as fait qu'une fois parce qu'après tu la connais. Ouais. Tu vois. Bah c'est ça, hein. De toute façon une aventure c'est à qu'une vie, hein. Pas comme une escape en fait. Ouais comme une escape au final, une fois que tu la connais l'escape généralement. Donc en vrai c'est beaucoup de travail pour pas grand chose. C'est ça. Alors là si je suis pas con, enfin je saute dans le fond pour me bloquer là-dessus. Ouais, non, ok. Ok, hein? Tu respawns où? Pas très loin, je crois, j'étais juste à côté. Ouais, j'étais au niveau des bibliothèques. Il y a de l'idée en vrai, niveau elle décor. Elle est pas mal, hein, franchement là. Là, tu veux que je te montre la technique ou pas? Ouais, je veux bien que tu montres la technique. Après, faut être tout seul sur le boost. Ah, parce que sinon, si t'es à deux, ça marche pas. Ah, il le fatigue en fait. Ok, c'est tellement bien pensé. Après, il y avait un trou en dessous de l'escalier, on l'a vu. Hein. On est sur quelque chose de fun. Hein. Ouais, c'est carrément amusant. Hein. C'est t'avances progressivement, t'es content quand tu trouves une sortie. On me baisse pas comme ça. Tu peux paraître gentil, hein. On me baisse pas comme ça. Il a quand même pris le temps là de rajouter des pierres et tout pour faire le décor, pour bloquer les fenêtres, pour changer des préfabriqués de base. C'est ça. Ah, c'est bizarre parce que la plupart des gens ne trouvent pas ce passage. Ouais, mais moi je suis un spécialiste d'Esman aussi. Ah, bah oui, c'est vrai. Ouais, stylé, hein. Ouais, c'est. Hop. Il se fout de ma gueule. C'est créatif et ingénieux. Le trou il est fait exprès là. Le toit est fait exprès ici. Ouais ouais c'est fait exprès. Là-bas. Ouais. Bah ouais je pense. Fais gaffe à pas tomber parce que tu peux prendre le checkpoint. Tu recommences. Waouh t'es sadique mec. Là tu dois sauter en face. Hein. Non c'est pas. Là faut sauter sur le clama en fait en face. Waouh. Et après tu sautes sur les autres là-bas, jusqu'à arriver au prochain checkpoint. Là on est sur du death run. Parcours. Ouais parcours. Et ok le checkpoint. Ok. Oh, est-ce que et tu... après ça change carrément de thème. Ok bah on fait un test et dès que je meurs tu peux arrêter le jeu et mettre les droits pour voler. D'accord. Donc là c'est du death run ça tu vois. Ouais. Donc en gros la on map compile les trois. Il y a un peu tous les thèmes, parcours, escape, death run, moi j'aime bien. Il s'est fait un petit gif. Là il y a une petite technique, c'est qu'il faut ralentir quand tu sautes ici, tu ralentis, tu dois atterrir sur celui-là en fait. Sur le boost, ok. Est-ce que celui dans la neige si t'atterris pas sur lui, tu meurs à cause du PG électrique. Ok d'accord, en fait t'as un caddie au spawn, du coup tu dois descendre avec le caddie. Là tu dois lancer le caddie pour bait les pièges, après tu peux les bait toi-même. Ah ouais, faut lancer le caddie pour bait les pièges et genre tu balances en avant quoi, pour être tranquille tu vois. Ça c'est des jumps tu rebondis, après tu dois atterrir dans le bon carré en bas. What? Alors faut atterrir dans le bon carré. Ça c'est chaud. Le bon carré c'est celui-là et t'arriveras sur le bloc invisible, tu devras sauter là, ensuite là, là, après t'arrives au jump. C'est plus ou moins la logique. Mais des fois il y a ce jump qui est un peu bugué et quand tu sautes ça te pousse ici. Ouais le saut de glace, toujours bugué les sauts de glace dans le jeu. Voilà, là t'as une arme et tu dois tuer tous les bots. Waouh, c'est très bien. Après là tu dois monter tout en haut pour le dropper, il est ici. Un dropper bus. Donc il y a un seul chemin, c'est lui. C'est compliqué. Il est hardcore. Après le dropper c'est fini. Ah non il est trempé encore. Non c'est pas fini, il est là. What? Là t'as des sauts. Mec je kiffe, trop fun ce death run. Et après ça, regarde, viens en dessous. Ah. Comme ça, oh c'est fourbe. Et c'est très très compliqué. Là par contre c'est la vraiment fin qui très est long, très hardcore. Et là après c'est un peu ouais, la même chose. Et t'as fini quoi. Après là c'est le GG avec même des trous. Ah le final est très dur. Il y a même un trou dans le GG. Oui dans le GG il y a des trous de partout très, aussi. Très dur. Ok c'est parti les gars, on va noter. Les votes ont été faits. Quelle note tu veux avoir en premier? Le chat. Tu veux le chat en premier? Tu penses que le chat t'ont mis combien? Toi tu te serais mis combien? Je dirais 7 ou 6. Tu te serais mis 7 ou 6 pour cette map? Parce que la fin elle est un peu hardcore. Du coup tu penses que t'aurais perdu des points là-dessus? Peut-être. Mais comme vous avez dit que c'est mieux que la fin soit hardcore et que le début soit... Ça retient les conseils. Ça retient les conseils, c'est vrai. Donc du coup je vais dévoiler la note du public, mon petit tata. Sache que le public t'a accordé un 9,27. Ce qui est énorme, la meilleure note de la journée. Ce qui est la meilleure note de la journée. Oui c'est la meilleure note. Donc tu peux être fier. Mais attends, ce n'est pas fini, il y a la note de Valouz. Oui, je
Sache que Valouz est très très dur et qu'il devient de plus en plus dur au fil du temps. Donc Valouz, je te laisse donner tes conseils ou donner ta note. Alors moi, qu'est-ce que j'ai envie de te dire? Tout simplement, je pense que tu l'as remarqué toi-même, hein. La fin est peut-être un petit peu longue. Il y a des bonnes idées, hein. Qu'elles soient hardcore, c'est cool, mais attention à pas trop frustrer, parce que c'est vraiment long et c'est un peu de RNG le fait que bah, les gens passent à travers. Le random, c'est bien de temps en temps, mais faut pas en abuser. Donc peut-être raccourcir ta fin. Sinon, les décors parfaits. Il y a tout type de mode, donc c'est cool. Ouais. Attention à pas te perdre, à trop mettre de modes différents. Ouais. Vraiment essayer de te focus sur une catégorie, mais encore une fois, c'est vraiment pour peaufiner. C'est ça. Du coup, moi, je t'ai mis une note de 8. Je savais, honnêtement, j'ai dit un truc. Je savais que le chat allait mettre une note de fou. Donc on est sur un 17, ouais. Donc un 8,5 sur 10, ouais, ce qui est plus que correct, les gars. Valouz qui donne de très bons conseils comme d'habitude. Et encore le chat qui dit que je suis négatif. Ouais, négatif. C'est vrai, c'est vrai. J'essaie de donner des bons conseils. Alors que moi, en connaissant Valouz, je sais que c'est très positif ce qu'il dit et que justement, s'il relève le négatif, c'est pour toujours s'améliorer, les gars. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien tirer de haut les gens. C'est ça. Et franchement, mec, gros GG, gros respect ouais, à toi. Gros GG. Moi, clairement, je vais te le dire, je vais faire ta map un jour, un soir, tu viendras, on fera la map à deux et je vais la faire ta map. Même si t'as pas le code, on la fera avant que les codes sortent. Donc je te garde dans mes amis. Genre j'étais en train de regarder live et je me suis dit bon c'est pas grave si j'ai... Mais t'as quand même essayé. En tout cas moi je t'aime pas plus poto. Encore GG à toi pour ta map, elle est vraiment bien. Je te recontacte dans la semaine. Voir si Michou serait intéressé pour cette map. Je vais lui vendre ta map mec clairement. Et peut-être qu'on ira se la faire à 2 ou à 3, on verra. Ça marche? C'est le meilleur, vas-y. Ça fait plaisir. Et code créateur t'as mis quoi mec? Doc. Allez, t'as tiré Jazzy bien évidemment. Des bisous, pas de bonne journée. À la prochaine, salut. Salut.